Un peu stressée, j'appréhende beaucoup, mais je pense que ça va bien se passer, donc on croise les doigts. Je me suis préparée plus ou moins, j'ai révisé une semaine avant, après on verra si ça passe, on verra. Vous êtes stressée ? Bah, pas plus que ça, après je serai plus stressée pour les maths et la physique, je pense, parce que c'est pas des matières dans lesquelles je suis forte, donc voilà. Coup d'envoi des épreuves du bac ce matin avec la philosophie pour les 32 680 candidats de l'Académie de Lyon. Ici au lycée Ampère, qui est centre d'examen, tout a été minutieusement préparé, avec deux surveillants par salle pour éviter toute fraude. On sensibilise les surveillants, on rappelle bien sûr qu'ils doivent être très attentifs, notamment sur tout ce qui est objets connectés, puisque vous savez que c'est vraiment un souci actuel. Donc une sensibilisation forte, une information des candidats, à la fois écrite et orale. Et puis moi-même, je passe dans les salles de composition pour rappeler les risques encourus en cas de suspicion de fraude. Quant aux sujets sur lesquels les candidats ont planché ce matin, il y avait notamment ceci. Une œuvre d'art a-t-elle toujours un sens? Ou encore, la politique échappe-t-elle à une exigence de vérité? L'an dernier, dans notre académie, le taux de réussite au bac dépassait les 88%.